Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 29 janvier 2021, midi 32, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. L'engouement pour les crypto-monnaies, hein, s'est fait vraiment, vraiment sentir dans cette dernière année 2020. On a vu le Bitcoin qui a atteint des niveaux records, 40 000 $, alors qu'en 2011, je pense que c'est en 2011, valait 700 $. Ma tendre épouse m'avait dit « achetons des Bitcoins ». J'avais dit « mais non, c'est de la bullshit ». Je peux vous dire juste qu'aujourd'hui, je le regrette. Là, on a fait des petits achats, nous autres aussi, mais de crypto-monnaies un petit peu moins chères que celle-là, que Bitcoin. Juste comme ça, hein, par chance. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver parce que ça demeure, on pense que ça demeure l'avenir, ces crypto-monnaies, comme moyen hein, de se détacher du système traditionnel de l'argent sonnant. Qui t'oblige à passer par les banques, par des systèmes. Et c'est pour plusieurs un moyen de cacher des activités peut-être aussi. Donc, ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur, beaucoup d'engouement, c'est surtout en 2020, cette dernière année. Et là, on nous rapporte, selon Bloomberg, imaginez-vous, et c'est rapporté par MSNBC, que le banquier de la Banque centrale, Gabriel Macouf, qui est membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, avertit les investisseurs de Bitcoin qui doivent être prêts à perdre tout leur argent. Est-ce que le système hein, traditionnel qui passe par entre les mains des grands banquiers et des gouvernements voudrait faire tomber cette crypto-monnaie? J'imagine que c'est dans leur pouvoir peut-être de le faire. Donc, on nous rapporte que les investisseurs de Bitcoin doivent être prêts à perdre tout leur argent, a déclaré Gabriel Macouf, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, le dernier avertissement d'un banquier central sur la crypto-monnaie. Personnellement, je ne sais pas pourquoi les gens investissent dans ce type d'actifs, mais ils les voient clairement comme des actifs, a déclaré vendredi Macouf, qui est également gouverneur de la Banque centrale d'Irlande. Il a déclaré ça à Bloomberg TV. Notre rôle est de nous assurer que les consommateurs sont protégés. Les commentaires de Macouf font écho au scepticisme des dirigeants de la Banque centrale européenne. La crypto-monnaie est un actif hautement spéculatif, a déclaré ce mois-ci la présidente Christine Lagarde. Les prix du Bitcoin ont plus que doublé depuis novembre et ont dépassé 40 000 $ plus tôt ce mois-ci. De grands mouvements de sa valeur sont courants avec 4 variations quotidiennes de plus de 5% au cours des 9 derniers jours. Vendredi, Bitcoin a dépassé les 35 000 $, les courtiers attribuant le transfert à Elon Musk mentionnant la crypto-monnaie dans sa page bio sur Twitter. Donc, Bitcoin saute au-dessus de 35 000 alors que Musk le met dans son profil Twitter. Pourtant, Macouf ne voit pas les problèmes de stabilité financière pour le moment découlant du Bitcoin lui-même. Je m'inquiète davantage du fait que les consommateurs fassent les bons choix, parce que naturellement, ça vient en compétition aussi avec le système traditionnel d'investissement. Les gens se lançant, beaucoup, beaucoup de riches maintenant se lancent dans le Bitcoin comme investissement sécuritaire hein, dans le monde volatile dans lequel on est, où le dollar perd des plumes et l'or est aussi un investissement spéculatif et pour certains plus sécuritaire que le dollar. Donc, on a énormément de concurrence et c'est une question peut-être de cette concurrence-là qui amène cette question-là qui amène Gabriel Macouf, membre du conseil d'administration, à dire que les gens pourraient tout perdre parce qu'il y a quand même, il faut l'avouer, c'est des centaines et c'est des milliards de dollars à chaque jour qui sont déplacés, investis dans les crypto-monnaies, et c'est de l'argent qui ne vient pas, naturellement, dans les marchés boursiers traditionnels. Donc, vraiment intéressant à suivre. Je reviendrai là-dessus. J'essaierai de vous parler un peu de ça, les crypto-monnaies, comment ça fonctionne. Je vous reviens.